Avant de commencer la vidéo signification de prénom, je t'invite à laisser un commentaire, pas sur le chat parce que là tu vas être sur le chat, mais en bas dans les commentaires comme eux là ils ont fait là. Voilà, donc fais comme eux, comme ça je pourrais prendre ton nom en signification de prénom. Donc aujourd'hui, signification de prénom, du coup j'ai choisi Corinne qui m'a laissé un commentaire que vous allez voir là. Donc, je vais le faire. Alors, Corinne, donc comme je disais la dernière fois, les cartes sont dans comme ça parce que là, vu que c'est à l'envers. Alors, la première, c'est la colombe. Deuxième, médical. Troisième, champ. Tout ce qui est fait, de toute façon, j'ai expliqué. Hop. Hop. Et hop. Hop. On va la mettre à l'endroit. Donc, la première, c'est celle-ci. C'est une personne qui, soit qui fait des associations ou qui aide son prochain et qui aimerait bien aussi développer plusieurs choses dans plusieurs associations. Aussi qui peut donner aussi aux associations. La deuxième, ça c'est tout ce qui est lié au médical. Ça peut être aussi lié à la famille. Souci médical lié à la famille. Ou ça peut être aussi une personne qui s'occupe des personnes souffrantes aussi. Ça peut être ça aussi. Ou qui aimerait s'occuper des personnes souffrantes. La deuxième, la fête. Elle aime bien organiser des fêtes ou rassembler des gens pour faire la fête. Celle-là, le serpent. C'est-à-dire que c'est une personne qui est super gentille, mais quand il fait une crasse, se laisse pas faire. Celle-là, homme de plus de 70 ans, ça peut être qui n'est plus de ce monde. Une personne qui veille sur cette personne et qui l'a toujours aidée à évoluer, c'est-à-dire au niveau des conseils, ou ça peut être aussi au niveau de la personnalité de la personne. C'est-à-dire en fait, cette personne lui a dit de pas faire des trucs ou de faire des choses. Après, le cadeau, donc tu aimes offrir des cadeaux, mais pas beaucoup recevoir. Et la dernière, ça c'est homme, à peu près la trentaine, à qui vous allez être, comment dire, très proche. Proche, pas proche comme lui, mais proche dans, ça peut être en couple, ou ça peut être aussi une personne qui, que dire, que vous aidez aussi, et que vous essayez de faire évoluer par la suite. Voilà. Donc voilà la signification du prénom. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire et de partager cette vidéo à vos amis. Sur ce, c'était Matt Compagnie, merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.